Bonjour, aujourd'hui une nouvelle recette de cuisine niçoise, la ratatouille. C'est une recette bien connue, mais attention, aujourd'hui je vais vous apprendre une recette express, non traditionnelle. Vous allez être surpris. Le marché c'est toujours le même, des oignons, des courgettes, poivrons rouges, aubergines, des tomates, un bon bouquet garni. On va prendre un grand plat allant au four. On va généreusement le parsemer d'huile d'olive. Et c'est là que tout va changer. Un bouquet garni, deux gousses d'ail écrasées. Et vous savez, pour la ratatouille, normalement, il faut faire revenir séparément tous les légumes, les uns après les autres, dans une poêle avec de l'huile. Eh bien là, on va faire différemment. Vous allez voir, on va faire une ratatouille en moins de 4 minutes. On a émincé les oignons et je les ai mis dans le plat huilé. On fait pareil pour les tomates. On a enlevé la peau et on laisse les pépins. On va les hacher grossièrement. Et hop, dans le plat de cuisson, directement, à froid. Voilà, maintenant on prend les aubergines, pareil. Inutile de les mettre au sel pour les faire dégorger, de les faire revenir dans l'huile où elles vont pomper plein d'huile, non. Tout simplement, on va les détailler en morceaux. Et les morceaux d'aubergine vont aller rejoindre le reste des légumes dans le plat. Allez, autour des courgettes, on va les détailler en morceaux aussi. Essayez de faire des morceaux à peu près égaux. Moi, c'est pas bien important. Vous verrez, le résultat sera parfait. On est bien loin de la ratatouille revenue, légumes après légumes. Allez, on mélange tout ça. Autour du poivron maintenant. Allez, un poivron, on va enlever les pépins. Poivron rouge, poivron vert, ça va être pareil. Allez, on le détaille en morceaux. Je vous dis, vous allez faire une ratatouille excellente en moins de 4 minutes de préparation. Voilà, on a mis tous nos légumes dans le plat, on va les saler. On va ajouter du poivre généreusement. Une nouvelle rasade d'huile d'olive. On va mélanger le tout et recouvrir d'un papier alu de cuisson. Et hop, 2 heures, je dis bien 2 heures au four à 200 degrés. À mi-cuisson, on va retourner nos légumes. Et voilà le résultat au bout de 2 heures. Vous voyez que c'est une ratatouille tout à fait acceptable pour 4 minutes de préparation. En fin de cuisson, vous allez hacher du basilic frais pour parfumer le tout. Et voilà, votre ratatouille express, un peu iconoclaste, est réalisée. À bientôt sur cuisinenissoise.fr.